Bonjour les saxophonistes, bonjour à tous, bienvenue dans cette Minute Saxophone, je suis Stéphane Collin. Coleman Bean Hawkins est né en 1904. C'est sa mère qui lui donna ses premières leçons de piano à l'âge de 5 ans. Il déménagera ensuite à Chicago où il apprendra le piano mais également le violoncelle. À 9 ans, il recevra un saxophone ténor pour son anniversaire et fait ses premières apparitions en public à l'âge de 12 ans. C'est dans l'orchestre de Fletcher Anderson en 1922 qu'il sera engagé et commencera à s'affirmer, en devenant le soliste et la vedette principale. Il quittera Anderson en 1934 pour partir comme soliste en Europe, où il aura une influence importante sur le développement du jazz européen, en rencontrant par exemple Django Reinhardt ou Stefan Grappelli. La Première Guerre mondiale faisant rage en Europe, il retourne aux États-Unis et monte un big band, avec lequel il enregistrera sa légendaire version de Body and Soul. Ce disque sera une des meilleures ventes de l'histoire du jazz. À partir de 1942, il se produira dans des petites formations et enregistrera avec Dizzy Gillespie, Roy Eldridge. Entre 1950 et 1960, il enregistrera avec Sonny Rollins, Miles Davis. Par la suite, déçu et démotivé, il sombrera dans l'alcoolisme. Il apparaîtra par la suite encore un peu sur quelques scènes ou parfois des films et terminera par gérer un petit club de jazz. Une sonorité large, un vibrato ample et dynamique, un phrasé généreux, ainsi que sa maîtrise technique feront de Hawkins un saxophoniste qui aura marqué et inspiré plusieurs générations de saxophonistes. Si cette minute saxophone vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner et surtout activez la petite cloche pour recevoir les dernières notifications.